cas, Jean Jaurès, nous avons deux classes, une classe de CAP et de bac pro. Le CAP se fait en 2 ans, le bac professionnel en 3 ans. Pour ce qui est de la première année de CAP et de la seconde bac pro, la formation, l'objectif de la formation, c'est le service rapide, l'étude des moteurs et l'électricité de base, comme l'étude de la batterie, du circuit de charge et du circuit de démarrage. En première, bac et terminale CAP, l'objectif, c'est les grosses interventions mécaniques et le diagnostic mécanique. On fait aussi du diagnostic électrique, mais c'est le B.A.B.A. Et en terminale, on est plus axé sur les systèmes de haute technicité et le diagnostic. Donc là, on a des élèves qui sont en classe de CAP. Et sur nos élèves, on va avoir trois différents postes. Là. On a nos deux élèves qui vont travailler là sur une révision de moto, une machine qui va faire de la piste, qui est en prévision. Nous avons à côté une ancienne moto où on refait tout un circuit électrique, donc une grosse partie électricité. Et tout au fond, ce sont des élèves qui travaillent sur un moteur de Yamaha R1. Ils sont en train de refaire le moteur. Alors ce sont le moteur pour l'instant, vu que ce sont des premières années, ils sont en train de faire une simulation d'intervention. Ce sera qu'en deuxième année, ils vont travailler vraiment sur un moteur qui va aller sur une vraie moto. Alors nous avons des élèves qui sont en première année bac pro, qui font diverses activités. Nous avons des élèves qui travaillent sur un petit peu de diagnostic d'électricité sur une moto récente, un petit peu de particicycle et de carénage sur notre moto. Et nous avons en dehors du champ donc des activités sur la suspension et sur des moteurs en moteur de temps. Donc des activités variées, donc des élèves qui sont en première année, mais cette année, cette fois-ci en bac pro. Donc ici on est dans l'atelier de maintenance industrielle au lycée Jean Jaurès. Donc une fois arrivé en seconde ici, on fait beaucoup de maintenance au niveau des machines. Donc on commence par comment marche la machine, étudier le système, puis commencer à l'utiliser. Une fois arrivé en première année, on commence à passer à l'hydraulique et aux pneumatiques. Enchaîné en troisième année de l'électricité, avec tout ce qui est amélioration et dépannage sur machine. On a 22 semaines de PFMP, donc en milieu professionnel, pour pouvoir s'intégrer au mieux et comprendre comment fonctionne le travail d'équipe. BM Horlogerie, il est accessible après le CAP. Donc là, nous, on est en formation FDD, c'est-à-dire qu'on a déjà le bac. C'est-à-dire que le BMA, il nous est présenté en 1 an au lieu de 2 ans. Donc c'est vrai que c'est un petit plus, on va dire. Donc on n'a pas les matières générales, mais on a tout ce qui est usinage, tout ce qui est révision de montre. Enfin voilà, on a les cours, la même base de cours, on va dire, sans les cours généraux. Au cours de cette année, on a un projet à construire, enfin à réaliser. On part de la conceptualisation à la réalisation. C'est un thème qu'on choisit nous-mêmes, donc c'est vrai qu'on est vachement libre sur ce point de vue-là. Nous avons 8 heures d'usinage, il me semble que c'est 12 heures de montre, donc tout ce qui va être révision, réparation, détection de panne, enfin en gros le service après-vente pour la montre. L'usinage, la première moitié de l'année, on réalise des pièces données. Et ensuite, la deuxième partie, ça va être tout ce qui va être réalisation du projet.